A river imports half of its uranium from Niger. France has exploited uranium mines in Niger for the last 40 years. It is the largest foreign investor in the country. It is something of an irony that while Niger lights up a third of all light bulbs in France, its local populations have no access to electricity. Arlit, a town of 130,000 people, is located in northern Niger, in the region of Agadez. It is home to two mining companies, which are subsidiaries of Areva. Uranium exploitation is carried out by Cominac, short for Akokan Mining Company. It extracts uranium ore from more than 250 meters down underground. The second company, Somaer, or the Air Mining Company, is known for its open-cut mining. The two companies produced 45,000 tons of uranium in 2012. And Areva intends to launch a third mining company in 2016, which is projected to produce 5,000 tons annually. Areva has a current workforce of 2,600 employees, and the charity Greenpeace claims that many unnamed local employees have died from radiation-related diseases. Areva's communications director, Christophe Neyou, casts doubt on these findings. Pour l'instant, ces vérifications qui ont été réalisées auprès de près de 400 personnes n'ont pas montré d'apparition de pathologie en lien avec l'activité minière. Nous allons continuer ces vérifications, naturellement, mais la cohérence entre les résultats de radioprotection qui montrent qu'on est en dessous des normes et le suivi médical montre qu'il n'y a pas d'impact sanitaire de nos mines. Par contre, ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans une région avec du vent, avec du sable, avec des poussières, et naturellement, il y a des pathologies qui apparaissent pour les personnes qui habitent dans cette région, beaucoup de pathologies ORL ou respiratoires, mais qui ne sont pas liées à la présence des mines. The claims made by Greenpeace, however, are of concern for civil society activists. Mahamana Zawa, the coordinator of the Arlit civil society organizations, is taking us to see the family of one blue-collar worker of the Somaer company. Their daughter was flown out to Morocco as a matter of medical urgency. She is suffering from hormonal disorders, which he thinks are associated with radiation. Ma fille, en réalité, souffre de la vie d'Arlit. La vie d'Arlit, c'est quoi? C'est la conséquence de la radiation. Et c'est général sur la population, mais seulement le gouvernement nigérien ne reconnaît pas ça. Et aussi au niveau de l'hôpital de la Somaer, ils ne reconnaissent pas ça. Et personne n'est soutenu. C'est un dérèglement des hormones. Et c'est dû à la radiation. C'est la radiation qui fait que chez certains enfants, ça conduit au dérèglement d'hormones. Mais si on agit à temps, on doit la sauver. Les cheveux poussent, mais ils tombent, ils poussent, ils tombent, ils forment des plateformes, vous avez vu sur les photos. Former uranium mine workers, some with 30 years employment history in the mines, are suffering from mysterious illnesses. Ma maladie, c'est la respiration. Et j'ai un problème pulmonaire. Donc, c'est une maladie que j'ai pris à Cominac. Parce que j'étais foreur, conducteur d'engin et bout de feu. Donc, dans les milieux, de 1978 à 2013, donc ça fait beaucoup d'années. Aujourd'hui, il y a des gens qui tombent chaque année, qui meurent, et on ne sait pas leur maladie. Et que je sais que sûr que c'est une maladie qui est reliée à la radiation. Je souffre de maladies pulmonaires, de toutes sortes de maladies liées à la respiration. Ça m'a causé par la poussière de la mine et les radons. Ce que j'attends d'arriver à Delta Niger, qu'ils nous soignent. Maintenant, on souffre. On ne peut plus travailler. On souffre. Nous pensons qu'Areva est en train de jouer avec la conscience des Nigériens. Il faut qu'Areva paye les préjudices causés aux anciens miniers. Il faut qu'Areva paye les préjudices causés à la population autochtone qu'elle avait trouvée sur ce terrain.
qu'elle avait transformé l'environnement. Ce sont notamment des atteintes rénales, des atteintes hépatiques et aussi des troubles de la circulation sanguine. Elles peuvent entraîner ce que nous appelons des silicoses, qui sont des maladies respiratoires, du fait que ce soit des particules solides qui rentrent dans les voies respiratoires. Ça, ça peut passer effectivement dans tout l'organisme à cause du transport par le sang et atteindre certains organes comme le système nerveux central, la moelle osseuse, tout ceci qui peut provoquer des phénomènes de cancérisation. In 2011, Arriva opened a health observatory in order to provide medical follow-up for former mine workers and locals exposed to uranium. L'Observatoire de la Santé, c'est une coquille vide. C'est juste un effet d'annonce. Concrètement, ça ne marche pas. This retired miner is suffering from dermatitis. He says that the observatory came too little, too late. La législation du travail au Niger se base sur les maladies professionnelles et cette liste date de 1965, bien antérieure au début de l'exploitation de l'uranium. Il va de soi que toutes les activités connexes qui sont liées à l'exploitation de l'uranium ne sont pas consignées dans cette liste de maladies professionnelles. Je peux vous l'affirmer, aucune dose de radioactivité n'est inoffensive. Les conditions dans lesquelles sont faites les consultations, les types d'examens qui sont faits, ils sont impropres, ils ne sont pas adaptés pour pouvoir déceler des cancers qui émanent du fait de l'activité professionnelle. C'est aux animateurs de l'OSTRA eux-mêmes de se rendre compte que comment le travail est organisé pour pouvoir mettre les Nigériens qui travaillent là-bas dans leurs droits et surtout aussi les populations environnantes qui vivent autour des mines d'Arlit. In 2012, Arriva, through its uranium activities, a third of which are in Niger, achieved a turnover of 1.36 billion euros.